C'est reparti, ça y est. De quoi? Bah, la tournée, là, ça y est. Ah oui, on se revoit bientôt, là. Bah, dans deux semaines. Dans deux semaines, on est à Amiens et à Reims. Reims, après, on est à Lyon. La Bourse du Travail, super salle de spectacle. Ouais, on a plein de dates, là, avant l'été. Bordeaux, Bruxelles. Ouais. Que des belles dates bien remplies. Trop cool. Et oui les puces, ça y est, donc la tournée recommence. Il y avait une petite pause là, vous savez, je vous avais expliqué qu'il y avait certaines dates qui avaient dû être décalées parce qu'après le Covid, tout ça, on avait essayé de reporter des dates, mais il n'y avait pas forcément tout le temps des dispos, enfin bon bref, un peu compliqué. Donc juste pour vous dire, avant cet été, là je vais d'abord vous parler des dates qui vont avoir lieu avant cet été. Il en reste pour l'instant uniquement 6 avant l'été, il y en aura bien sûr d'autres, toutes les autres à la rentrée, mais avant l'été, il y a donc les dates que je vais vous mettre dans la prochaine story. Donc voilà les puces, trop content de vous retrouver. Franchement, c'est des super salles. En plus, c'est des grosses dates. Il y en a certaines qui sont déjà presque complètes. Vous pouvez donc continuer à réserver vos billets. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus besoin de passe sanitaire. C'est terminé, ni de passe vaccinal, plus rien. N'importe qui peut venir me voir en spectacle. Ça fait du bien là de respirer, de pouvoir ressortir. Donc je vous attends nombreux les puces. Et je vais vous mettre aussi plein de petites infos dans les prochaines stories. D'un point de vue logistique, ça a parfois été compliqué. On a vraiment essayé de... C'est pas sa faute. Oui, je sais, il y en a qui croient que c'est de ma faute. C'est pas ma faute. Et voilà, on a vraiment essayé de conserver le maximum de dates. Et je suis content d'avoir encore une fois une tournée hein, qui est aussi belle, qui a été aussi belle, parce que j'ai déjà fait beaucoup de dates. Mais quelques dates ont sauté et j'en suis vraiment autant navré que vous. Il est pour rien. Oui, on a compris. Il est pour rien. Alors toi, depuis que tu côtoies Jérém Stein, mais t'as la grande vie. Hein? Regardez, elle fait sa connasse, elle a des petits kirs royaux. Oh, t'as vraiment un pied dans le showbiz, hein. Tu mènes vraiment une existence, mais de luxe. On va bientôt te retrouver à Dubaï, ma connasse. Oh là là, la vie de star. C'est pire que les buffets au mariage, les banquets. Oh, la vie de star. Je suis vraiment content de par ma notoriété de te faire vivre ces belles expériences. Quoi, comment dire merci en indien? Je sais pas. Alors ça, les amis, c'est vraiment une passion. Je pense que tu connais plus. Cheese naan. Oh mon dieu, mais ça, c'est meilleur que le sexe.